Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, mes chers collègues. Monsieur le ministre, je tiens effectivement, par respect à ma mère, de dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de la femme objet. L'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de l'oppression de la femme. L'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de la répression et des gifles pour les femmes. Je tiens à le dire de la manière la plus ferme, par respect à ma mère. En ma qualité de représentant du peuple, j'exprime ici tout le regret et la désolation que nous avons eus en assistant à ce théâtre indigne de la femme sénégalaise. Je tiens à le dire. Monsieur le ministre, je l'ai dit avec le ministre de l'Intérieur. J'aimerais de temps en temps qu'on se détache un peu pour s'élever, pour faire un tout petit peu de la stratégie politique et penser dans les frontières de la démocratie quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre pour conquérir le pouvoir. Et je vous parlais de la stratégie chaos-reconstruction. Il y a effectivement en démocratie des gens qui sont des légalistes et qui croient qu'il faut jouer de la manière la plus orthodoxe avec la démocratie pour arriver au pouvoir. Mais il y en a aussi qui ne croient pas à l'état de droit et qui considèrent qu'il faut installer le chaos, prendre le pouvoir pour reconstruire. Je pense que cela n'est pas normal et je suis rassuré parce que je considère que le Sénégal est un état mûr avec un état de droit consolidé qui ne peut pas effectivement tolérer ce genre de stratégie. À l'évidence, le vote du projet de budget de votre ministère et de manière globale de tous les ministères a été traversé depuis le début par une perspective immédiate de conquête du pouvoir. Deux dossiers, il faut le reconnaître, ont traversé nos débats. Le dossier du suite beauté et le dossier du troisième mandat. Ces deux dossiers ont traversé de manière permanente nos débats. Sur ces deux dossiers, le peuple que nous représentons ici nous demande de faire confiance à la justice de notre pays. Mais c'est comme si on cherchait à faire peur aux juges pour les dessaisir et verser ces deux dossiers sur le registre du rapport de force politique et du populisme. Monsieur le ministre de la Justice, sur ces deux dossiers, ne pas s'en remettre à la justice de notre pays, c'est permettre désormais aux politiques d'ajourner la justice au gré de leurs enjeux du moment, ce qui est inacceptable. Monsieur le ministre, à ce jour, aucune doctrine ne s'est prononcée pour attaquer techniquement les faiblesses du gouvernement sur ces deux dossiers. Pourquoi donc avoir peur? Monsieur le ministre de la Justice, analyse systémique, si l'acteur, en l'occurrence ici les politiques, impose leur compréhension au régulateur, en l'occurrence le juge, nous pouvons alors en ce moment-là enterrer l'espoir des générations futures d'un Sénégal prospère dans un état de droit. Vous ne pouvez pas l'accepter. Je vous connais, vous êtes un intellectuel brillant. Et pour moi, je définis l'intellectuel par un mot, le courage. Il faut avoir le courage de dire ici que nous devons voter ce budget parce que c'est le budget qui doit effectivement défendre les femmes. Il faut voter ce budget contre la drogue. Il faut voter ce budget pour que le viol s'arrête dans ce pays. Il faut voter ce budget pour que l'investissement se poursuive pour la modernisation de la justice. Il faut voter ce budget pour améliorer les conditions de travail des juges et de l'administration pénitentiaire. Il faut voter ce budget pour que l'état de droit soit debout. Et l'état de droit, c'est trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, nous ne l'avons pas honoré aujourd'hui, et la justice qu'il faut défendre. Et cette justice-là est debout et restera debout, n'en déplaise aux tenants de la théorie du chaos-reconstruction. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est...